place. Ça a fait comme un gigot qui se ferait tomber. À 5h25. Au début, je pensais que c'était un coup de feu, mais ça faisait bizarre. Plus que j'étudie le son, on y a là, ça a grand chicot terre. En fait. Genre de boum, mais avec, avec l'écho. Bizarre. Il est rendu en arrière de moi. Je l'ai entendu se déplacer de deux craquements. Mais ça fait déjà une demi-heure, trois quarts d'heure que je l'entends plus. Il sortira pas aujourd'hui, puis demain, il est supposé de mouiller encore. Rien pour aider. Ça, c'est des nuages à soir. J'ai pas filmé aujourd'hui. J'étais parti faire un tour de 4 roues matin. Juste sur cette là pour aller voir s'il y a des pistes dans notre chemin. Puis il y a un couple qui est en montant par notre coin. C'est qu'il y a un couple qui est par ici aussi. Le boc que j'ai entendu hier, ben, j'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. Rien entendu. Et ça c'est un petit peu un matin. Puis là, il a recommencé à mouiller à 3h après-midi. Fait que là, en espérant que ça va se dégager de mon année, là, on est rendu dimanche soir. Ça nous prend 2-3 belles journées si on veut faire sortir un orignal du site. Là. Ça fait que c'était un petit compte rendu de la journée. Pour avoir le moral bon parce que rien que mouillé. C'est pire que l'année passée. Quand on joue aux cartes, là, on voit dame de pique de temps en temps. Là. Ça aide. Ouais, c'est l'ouvrage commence. Je suis en train de monter en montagne. On va aller chercher 4 roues puis les outils du cordage, les palans, puis les tirs forts. Il faut le sortir de l'eau un peu. Et ça a pris du temps avant que je puisse tirer. On était en train de jouer aux cartes. Là, je l'ai vu, il était déjà sorti. Puis il bougeait pas, puis il était de face. Puis je voyais bien que c'était un boc. Il avait l'air un beau panache. Mais là, j'ai dit à Fabien, prends la caméra, t'as le temps de filmer. Mais je sais même pas, il pense qu'il n'a pas été capable de filmer. Et là, ça faisait 3 minutes, je pense que je. Qu'il bougeait pas l'orignal, je pouvais pas tirer. Il était trop de face.
T'as une bonne distance, là, c'est 600 pieds comme il faut. 600 pieds, faudrait que je recheck. Ben, il a viré vers le bois pour le bois. Ouais, le tabernache, puis là, je le voyais plus. Je l'ai tiré dans le tas. J'ai été chanceux, c'est sûr, là. Puis là, je l'ai vu qu'il a fait un mauvais move par en haut. Quand je l'ai tiré, c'est là que j'ai su que je l'avais touché comme bon. Puis il est revenu envers nous autres. Par le bloc de sel. Ouh. C'est quelque chose. On a collé Eric. Eric s'en vient aussi. C'est ça, viens, viens ici là, amène ton messe en terre là. En vacances là. Ah, check là-bas. Ouais, ben faut le sortir de là. C'est un modèle plutôt d'un 5 ans et demi comme faux. C'est pas 4 ans et demi ça. Même s'il n'a pas l'air d'être noir, ben, faut s'arranger pour sortir ça de là. On va le wincher. Tu lèves un peu, Eric. Tu lèves la tête. Okay, ils vont pogner dans le swong. C'est ça, tu peux y tenir la corde dans les airs de même, là. Je vais aller le tirer. Fais juste le tenir de même. Photo en train de filmer en même temps.
Prends-moi ça, prends-moi ça. Tiens, dernière. Là, on bouge pas, bouge pas. Oh! Hé, hey, regarde-moi ça, le beau cœur! Les deux, ils m'arrêtent dedans, on va aller dans le pissoir tous les deux. C'est pas toi qui les a mis là? Non, non. C'est le bout de la marbre. Les deux doigts de Magnum. La première, la poignée dans la patte, parce que la patte en arrière, parce que je le voyais plus quand je l'ai tiré. Puis l'autre, j'étais pour être sûr que le lag quand il était dans l'eau. Il est arrivé dans le cou. T'as-tu le même, ce qu'on a tué? Un tour sur la chasse. 2021. Ça commence bien l'année. Rock, 5,5. 5,5 qu'on pense. 5,5, certain. 9h45 ce matin, on reçoit un call radio du satellite, camp satellite au camp de base, Fabien, qui dit « Viens-t'en, il dit, tu es! » Il est dans l'eau! Non, la terre! Dans l'eau! Viens, on a besoin d'aide! Es-tu sérieux, toi? Oui, il est dans! Fait que là, qu'on est dans la pierre la première fois, hein? Il est dans? Non? Avant ça? On s'est parlé, il était 9h15 à peu près. Ouais. C'est comme si 15 minutes, 15 à 30 minutes, t'as ça, puis pouf! Ouais. On joue aux 4. On joue aux 4. On joue aux 4, mais. On commençait une game. Le radio est... Là, genre, je suis en train de me ramasser, puis je viens de voir mon satellite qui m'a raclaque. Je sais pas si mon deuxième coup, si j'ai tiré dedans, mais quoi, là. La balle s'est rendue quand même, mais lui, il a peut-être mangé un coup de canon, là, avec l'effet du coup, là. J'espère que mon satellite marche encore, mais je peux plus le tester, ma batterie est trop faible. Je peux pas savoir si ma réception est bonne. Ça veut dire que je tire cette dernière là, tasse-toi de là, parce que moi je tire par là. Peu importe qu'il y a en avant, la balle elle va se rendre sur l'ornial, mais s'il y a des obstacles, là, on va peut-être faire dur. Un-tu l'air de vin? Ouais. Ah ouais. On ne sait pas quand là. Fin septembre 2000. Là, on est rendu au camp principal. J'ai pris un morceau de viande dans le cou. Ton cœur, tu n'as pas pris quelques morceaux? Non, non, je ne veux pas amener. On fait des fricassés avec le cœur. Mais là, j'ai moins de viande du cou que l'autre année que je l'avais pris parce que j'ai coupé la tête plus haute. On devrait être bon sur un snack avec ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, on relaxe. On va revenir à Noisseur à soir, là, c'est sûr. On va chauffer le poêle tantôt. Là. On va chauffer ça. Ouais, si tu veux, si tu veux, tu prends un petit peu tout. Là, on va manger de la viande dans le cou. Faut être minutieux pour la ranger comme il faut. Là. Ça, c'est un côté du cou, puis ça, c'est mon autre côté du cou. J'imagine qu'on devrait être capable de se faire un steak dans ça, à soir. C'est pas un morceau, on va le mettre correct. Des cromagnons, là, c'est pas trop compliqué, moi. Hein? Ceux-là qui savent de quoi je parle, là. Des petites fines bouches, là. Ça reste en ville. Mais dans le bois, ça prend une coupe de cromagnons. Le vrai Cro-Magnon, il y a tout moins ça. Là. On va essayer de garder une petite graine. Hey, mon couteau, il est gros. J'avais tout mon petit couteau à filet. Je l'ai pas amené. On va le bouffer. On fête, là. On fête le bac à terre. Hey, ça y est.
Ça fait que ça, c'est ce que j'ai récupéré de notre cours. On va manger ça tantôt. Hey, on va savoir si ça va être bon tantôt. J'aurais pu écrire pareil un petit peu. Bon, les patates, ça vient bien. Peut-être un petit 15 minutes encore. On va aller voir la piste d'avion par là. Hey, y'a-tu quelqu'un ici? Ouais, on va le dire, l'arrière est en train. Y'a-tu construit un lanière ici aujourd'hui? Ça m'a entendu un coup de feu, moi là. Ouais, y'a 10 moins 4. Tu parles pas gros, toi, hein? En 2019, on le manquait, là. C'est ça qui est traite avec un lanière. Tu penses que c'est mort, y'a aucun lanière ici, non? Deux minutes après, il est dead là, pis c'est un bot. C'est ça, un lanière. C'est vrai. On joue aux cartes. J'en compte. Rien. Je close mes cartes. Je me lève la tête. Yeah! Lève la tête! T'as pas sacré? Non. Tu venais de faire ton remplaçant? Il a pas volé, là, mais. Un lanière, là, c'est un fantôme. Dans ces places-là, là. C'est tellement un fantôme. Comprends-tu? J'arrête. L'ornial. Ça a été mouillé. Il a chauffé après moi. Ouais, en temps de la chasse, là, je t'aurais étouffé. Mais non, pas ça, là. Là, ça a l'air que j'ai trop vu. Il est roquette. C'est pas si bien, là. Imagine, moi, j'ai ça pour 24 heures. Là, je l'ai pour 2-3 heures. Il va arrêter. Ça te montrait ça? Il va revenir demain matin. Ah, ils vont partir. Ils vont partir, avec ça, il y a rien. 24 heures, imagine dans le temps de la chasse, là, t'étouffes quelqu'un, là. Dans notre trou, là, faut pas que. Fabien, il se met à ronfler, dans la nuit, là. Je donne des coups de pied, là. C'est que là, ça arrête un peu. Il passe son temps à ronfler, le tabac, là. Imagine la tête de même. Une nuit, il a ronflé, c'est pas vrai. C'est. C'est là, en fait. Ça n'aurait pas de sens, là, en plein dans la chasse, là. Une nuit, tu n'as pas dormi partout. T'as mal au dos. T'avais tout le temps des coups de pied? Ouais, cette nuit-là, ça ne marchait plus. Ouais, c'est ça. C'est pas quelle nuit, là. Mais... En tout cas, la viande, dans le cou, là. Elle était bonne. Elle était dure. Mais elle était bonne. Parce qu'elle était fraîche. Mais j'en sais. Frais, tu peux pas être plus frais que ça. J'en ai l'air une phrase mais au moins, complète là, sans aucun. On l'a pas gaspillé, on est allé la chercher. Bon, on est revenu au condo. Oh, on a bien mangé, on a bien bu. Puis en revenant, on a passé 2 km trop loin sur le chemin principal en 4 roues. Fait que on n'a pas vu notre chemin. Fait qu'on a viré de bas. Oh! Puis là, ben. Elle a plus de descendre. 10h20, on va se coucher, mais on s'en parle. Oh! On s'en parle demain. Bon. Bye. Il a de la nuit, mais il est revenu un matin. Fatigué un petit peu. Fait que là, il est 6 heures. On a fait une petite nuit quand même. On a bien dormi. On va aller voir ce qu'on va faire avec les quartiers. Si on accroche ça quelque part. On va prendre le temps de se réveiller là.
des histoires de gars, des gars chauds, des gars chauds. Des gars chauds. Je vais à 30 au 61 hier soir. Ah oui. Wow! Malade mental, un peu. Hey, on est-tu dessus, est-ce que tu es? C'est quoi le... T'as pas changé ta batterie? Et bois m'a gagné encore l'une. C'est ça. Celle-là est pliée vers l'autre bord. Là, on a deux morceaux de rendu, mais je suis mal chargé. J'ai coupé mes fesses trop longues, puis je peux pas les mettre en avant. Ça m'aurait pris un morceau en avant pour être bien balancé. Là, je suis trop haut, puis je suis tout en arrière. Eric va falloir qu'il se mette en avant pour monter en montagne. De manège dans le bois encore. On est au 50e parallèle. On va faire des tours de manège. Et des hoquettes gratis. Avec ça. Mécanique, le premier tour l'avait pas amené. Fait que là, on a ouvert le chemin, là. On va arrêter de faire le timber.
ça va mieux s'amener en colline. Je suis prêt à partir, moi. Je vais mettre la fesse là-bas, là. Je vais rentrer le 4 roues. Puis ah ouais, pst, l'eau en bas. Je vais le boucher. C'est le départ, puis là, en se chargeant, ça vient voir les traces de femelles puis de bocs qui sont venus là, que ça j'ai vu l'autre jour. La femelle de ce bord-là, puis le boc de ce bord-là, puis ça retourne envers mon autre coin, envers ma vanette. Quand même une belle piste le boc là. 5 ans et demi comme quoi. Ils sont partis par là. On va tourner la navette. Là, ça s'en va embarquer comme ça dans le trailer. Ça fait que c'est ça, lui que j'ai tué, c'est ce que je pensais, c'est le boc qui était tout seul. Il me niaisait depuis 2 jours, là, que j'ai entendu 2 coups de panache. Même un frottement avec une brindille qui a cassé en même temps qu'il passait, là, puis ça a frotté le panache. Puis il y a un autre coup, là, comme il faut, là, que j'étais pas sûr, j'étais en train de bouger. Mais je suis bien content que c'est le couple qui est encore en vie, puis qu'il est parti envers la vanette. Bon, là-dessus... Ça finit la chasse. On verra l'année prochaine si Dieu le veut. Là, c'est un filet mignon que j'ai sorti d'une fesse. On va m'arrêter de s'asseoir. Puis on va faire goûter. Mais j'arrive à Montréal aussi. T'as, l'orgnol, t'as tout de ça. Lui, il est resté là. Ça prend de la place. On va te bagarre pas mal. Ça c'est là.